Et on commence comment la vidéo? Ah, ok, bon. Tu mets pas ça sur YouTube, hein. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, ça y est, c'est le grand départ. Donc là, je pars faire une surprise à une très bonne copine à moi qui vit en Suisse. C'est Yolanda, donc elle n'est pas au courant. J'ai fait tous mes bagages. Elle déménage lundi au Portugal. Et du coup, avec Kenza, on a organisé une petite surprise pour que j'aille lui rendre visite. Donc là, c'est parti, direction Genève. Coucou! Bon, salut les followers, c'est moi la vraie sœur de cette chaîne YouTube, mais vous savez pas encore. Parce que je suis une star. La star du monde. J'étais au Jura, j'ai vu quelques copines et j'ai pris le train. Le train avait du retard parce qu'il a beaucoup neigé à Genève. Et du coup, en arrivant à Genève, j'ai retrouvé ma Yoli. Putain, trop choquée, je vous jure. J'ai retrouvé Kenza. Elle fait le ménage. Une crème pour les boutons, mais je le retrouve pas. Ah. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Et on va où là? On à va à la boulangerie. D'ailleurs, faut prévenir Kenza parce que Kenza m'a dit qu'elle peut changer d'avis à tout moment. Ouais, faut l'appeler quand on la retrouve tout à l'heure. Donc là, on sort de la boulangerie, on vient d'acheter tout pour Kenza et Yoli et moi. On va faire un petit déjeuner. Bon, alors là, du coup, on va chercher la voiture parce que du coup, hier, je suis restée bloquée à Genève vu qu'il s'est mis à neiger et c'était patinoire land. Et après, on va se chercher un petit Starbucks. Yeah, yeah, yeah. Et il fait très froid, comme vous pouvez voir sur mes lunettes. Mon corps, t'aimes quand on fait du sexe. Donc c'est Kenza, elle a fait la petite surprise, regarde, t'es trop chou, t'es contente? Oui, trop, il est trop beau. Pour le départ de Yoli, c'est trop chou. On est trop contente. Il y a le petit quatuor, les girls de Pinchard, et la petite déco, c'est trop chou. On adore! Et en plus, regardez comment il neige, enfin, il a neigé cette nuit, enfin hier soir. Et du coup, c'est trop chou! Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis. Non, mais regardez-la, celle-là. À se prendre en photo pendant 10 plombes. Non, mais sérieux, quoi! T'as un problème, Kenza, là! Ça fait une heure! Yay! Yeah. Nous sommes prêts pour la soirée. We are waiting for Yolanda, Roman and Delphi. Hola, je suis pas prête, je suis pas prête. C'est pas grave, c'est pour le vlog. Regardez-moi cette zone. Non, je suis pas prête vraiment, mes cheveux calculés pas. Il n'y a pas l'autofocus, mais si t'es belle. Autofocus, c'est belle. Trop chaud, she's so pretty. Tu me dis c'est toi la boss de Aya Air. Hi. Coucou. C'est ça que tu cherches? Oui, parce que j'ai pas mon téléphone. Voilà. Merci beaucoup. Faites voir comment c'est. On n'a pas fini encore. J'étais des petits curieux. Trop chaud. Des petits. On sait pas si on met les poissons là. Si là, les cocktails et tout, ça va être grave chaud. Fais voir comment t'es un flic. Oh la beauty, elle a réussi à faire ça. Mais bon, elles sont pas trop les mêmes. Ouais mais c'est chaud. Merci. Donc comme un débile, j'ai oublié la carte pour accéder à l'appart. Donc je n'ai pas mon téléphone. Donc comment vous dire que je suis au bout de ma vie? Déjà que j'ai pas de réseau en Suisse.
Donc c'est un peu la merde. Donc là je vais rechercher mon téléphone. Ensuite je monte à la part de Yoli. Et ensuite on va tous finir de se préparer. J'ai ouvert la porte, c'est là. Tout finir de se préparer et après on se rejoint tous à l'appartement de Roman pour commencer la soirée des au revoir. Donc le fautif, il est là, ce putain de connard de téléphone. Et maintenant, let's go to Yoli's house. C'est parti, je vous amène avec moi. Putain, c'est trop sportif pour moi tout ça. Allez, allez, du sport. On est arrivé. Yeah. Coucou. La plus belle. Regardez-moi cette diva qui est sur les toilettes pour se maquiller. Jugez pas, je suis 1m50. J'ai pas le choix. Parce que si je me mets comme ça, je me vois pas. Enfin, je me vois juste là. Triste vie. C'est très triste. Du coup, j'ai pas voilà, choix. Donc, elle s'est quelle queen. Toujours en hauteur, toujours the first one. The first step. Period. Period. C'est trop triste de voir ton appart en mode voyage. C'est trop moche, hein. Ouais, c'est triste. Mais c'est pour de bonnes causes, donc on dit des rien. Des nouvelles aventures. Ouais. Where are you going? Portugal. Portugal. Comme ton déménage. Non. Écoutez les amis, j'ai mis un gloss qui fait du rouge parce que j'ai pas de lèvres. Et là, ça me hyper. Mais je vous dis pas. Hein. C'est hardcore. Non, je stresse, je sais pas pourquoi. Non, là, non. Pas de stress, c'est nice. Hey, hey, hey. Ça va? Oui, toi. Coucou. Surprise! Je t'avais call la fou! T'as trop du fort, t'as trop du fort! Mini, non, non, j'ai rien dit de si, mini, non! T'as trop du fort, si, mini, non! Quand tu vis la gueule, t'as trop du fort! Non, mais quand même, on doit mettre une musique triste, sinon je suis pas dans l'émotion! Non, arrêtez! Mais on dirait que je pars pour la mort. Non, de toute façon, on va te voir dans un mois. Bon, Je suis censée dire quoi? Faire un discours? Oui. À tous? Oui. Mais si tu veux que je parle, ouais, je te dis, hein. On revient plus tard. Ressenti. Je voulais vous dire que même si ça fait qu'un an et demi pour vous et pas deux ans, qu'on est amis, ben. Sachez que vous comptez beaucoup plus que des personnes que je connais depuis longtemps et que on sait, je le sens comme elle quand elle joue au loto et au casino que on va être amis pour la vie, vraiment. C'est trop chou. C'est trop chou. Nous aussi, enfin moi aussi. Bah oui, on t'aime tous. C'est trop chou. Tu vas nous manquer. On va venir te voir. La queen of Pincha. C'est qui maintenant la queen de Pincha? Je sais pas. C'est après, c'est parti pour de nouvelles aventures. Mais tu nous remplaces pas, hein? Ouais, surtout. Mais vous, vous nous remplacez. Les cours en ligne, tu peux nous remplacer. Mais grâce à tu nous enlèves pas ta story privée, hein? Non. Tout voir. Oh, j'aime trop, c'est mon cadeau préféré.
Kenza, un petit mot? Bah, je suis trop contente qu'elle ait aimé le gâteau qu'on a choisi avec les filles. Et il y a notre photo dessus comme dernier petit souvenir. Les plus belles sont là, trop chaud. Voilà, alors maintenant il y aura un petit sondage qui s'affiche en haut. Si vous trouvez que j'ai un beau dos, marquez oui. Et si vous trouvez que j'ai un dos moche, marquez non. Bisous les followers. Il fait comme ça, des danses. Limite, il danse vraiment comme ça. Ah, je suis mort. J'irai, il danse pas comme ça. Devant son canapé. C'est son petit rebond du matin. Derrière son canapé. Mais je vous envoie qu'à vous. Hein. Je vous envoie qu'à vous. Hein. Voilà les followers. Kenza est en train de me faire un café parce qu'elle est trop chou. Je vais vous la filmer. Attends, on voit. Elle est là. Et Rudy, il fait une presse. Tu l'es. La Max. Y'a que moi. Dédé, je peux aussi. Oui, prends ce mot. Rudy fait une tresse claquée à Delphine parce qu'elle va faire le test PCR, donc elle va être belle pour le test, vous voyez. Et regarde. Ouais. Demain, elle part à Nantes en vacances. Ben on pense. Ouais, t'as dit qu'on allait pas reparler de ça. Bref. Et demain, c'est bientôt. Et moi, ma mère, elle arrive pour qu'on fasse le ménage de mon studio. Tu mets pas ça, hein. Ça c'était pour rire. Hein. Du coup, aujourd'hui, on s'est décidé à refaire l'appartement de Kenza. Donc, je vous mets le avant après, juste après. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous likez ce petit changement. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est une journée chill à Pinchard, donc à Genève, parce que du coup il y a la mère de Yolanda qui est arrivée pour faire les derniers trucs avant son déménagement au Portugal. Du coup il faut il fallait un peu ranger son appart et tout avant qu'elle le rende. Et là du coup j'étais chez Kenza et je vais vous montrer l'avancée des travaux chez Yoli. Salut. Non, je vais juste rendre compte à mes fofos, Lolo Wowers. Donc là, il est en train de tout ranger, tout avec sa petite valise, faire le ménage. Bon, ça, il faut pas normalement. Yolanda fait pas le ménage, c'est une star. Ouais. C'est vrai, Wally, Wally. C'est pour ça que je veux pas qu'il m'affiche. No paparazzi. No paparazzi, mais je t'affiche quand même. Ah ça je connais pas, pardon. Regarde. Ah, connais pas. Connais pas, ça c'est pas fait pour moi. On oublie, on coupe au montage. Ah. C'est trop chaud. Alors il dit la vaisselle. Bah, du coup j'ai été forcée à faire la vaisselle, ça se fait pas. Je suis invitée en Suisse et je fais la vaisselle. Oh, franchement je suis grave déçue. Non je rigole. Je rigole. Faut passer par là. Hein. Faut pas montrer que le beau dans les vidéos, faut montrer l'envers du décor. Et l'envers du décor, bah, c'est aider ses amis dans les sombres moments de la vaisselle. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, Rudy. Voilà. Merci pour ton aide. Avec grand plaisir. Voilà, je tiens à dire que j'ai réussi à faire la vaisselle tout seul comme un grand. On me voit juste ici. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Salut, bonne dernière nuit, Yolanda. Ciao. Coucous. Bon bah ça y est, aujourd'hui on est lundi 15 février et c'est le jour du départ de Yoli au Portugal. Du coup c'est notre dernière journée ensemble. On va aller manger à midi au Libanais. On va profiter des derniers instants avec elle. Et en fin d'après-midi on l'accompagnera à l'aéroport de Genève pour qu'elle prenne
son avion pour le Portugal. Et après, bah, bien sûr qu'on ira la voir dès que possible pour lui faire une big surprise là-bas. Yay! Pas besoin de payer, vraiment, c'est pour ça m'a dit qu'elle pèse 27 kilos alors qu'elle a le droit à 23 kilos. La même chose que la dernière fois. C'est chiant, hein. Mm-hmm. Donc tu vas faire comment? Oh, mais en plus, c'est dingue parce qu'elle que portait des petits tops. Je sais pas ce qui est lourd. Alors, j'ai découvert ce matin que j'ai pas remixé. Elle a trop de la chance. Ah, coucou. Enfin, t'aurais posté plein de photos. Hein. Oui, je vais faire l'Instagram de cela. Bisous. Bon, bah, on se retrouve dans la gare. Kenza monte à belle tête. On est avec Mathias. Et on est en train de déposer la maman de Yuri qui reçoit en Suisse. Enfin, on est déjà en Suisse, mais voilà. Non, là, t'as dit n'importe quoi. Elle part au Jura. Elle est déjà en Suisse. Elle est déjà en Suisse. Elle reste en Suisse. Voilà, ok. Ils expliquent mieux que moi. Regarde, elles sont là. Elles sont trop choues. C'est les au revoir après. Oh yay, avec la mama. Yay. Et ça y est, c'est parti, c'est le grand départ. Non, moi je préfère l'autre. Yoli, on quitte Pincha. On commente un petit emoji cochon si on est venu jusqu'à la, cette partie du vlog. C'est la fin de la vidéo. Il est parti à l'aéroporto de Genève pour déposer Geneva. Yoli. Yes, yes, elle se casse, elle se casse. Yeah. Oh. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. A motherfucker. Quel rire. Double masque. Moi j'attrape le Covid en plein. Ouais, surtout au Portugal, là, faites gaffe. Hein. C'est les derniers moments à Pincha. Est-ce qu'il y a un petit mot à dire pour les derniers instants à Pincha? See you in 5 months. Yay. Ouais, ça va franchement. Pas besoin de venir à Porto. Hein. J'ai activé la cloche de notification. À chaque nouvelle vidéo. Moi, je suis pas content, je suis en train d'étudier souvent. Et moi, je suis en train d'étudier parce que je suis trop intelligente, j'ai pas besoin d'étudier. MDR. We've come a long way. From where we began. Oh, I'll tell you all about. Du coup, on se réconforte avec les donuts. Yay. Alors du coup, on vient d'aller à la Migros. J'ai acheté une courgette et je voulais pas, vu que je suis une meuf qui s'occupe de l'environnement, je voulais pas acheter un sac. Du coup, le petit tips. Eh, hey, la courgette dans la poche, c'est si. It's time to say bye. Dis au revoir au vlog. Au revoir les followers, je suis vraiment triste. Passe un bon séjour. Passe un bon séjour. Profite bien. Et puis on se voit vite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour où on va au Glacier 3000. Donc là on est actuellement à la gare. Toc toc toc. On attend le train. On attend de partir. Moi j'ai rêvé que on a loué une Lambo. Et alors? On a fait un accident. Ah ouais? On marche arrière. Oh my god. Et j'ai cassé la Lambo? Oui. La première chose que j'ai dit, je t'ai dit, c'est toi qui paye la caution. Je craque. Tu te décharges de toute. Tu te décharges de toute responsabilité. Je meurs parce que c'était en plus à moi de conduire. Bah tu voulais conduire. Ah d'accord. C'est cool. Courses. Accident. Alors là, on va prendre un petit train pour aller jusqu'à... C'est quoi le nom de mon restaurant? Les Diablerets. Les Diablerets.
comme ça, après on va pouvoir prendre le cabine, la stenda, pour pouvoir monter à notre point de destination. Là, plein de petites vidéos. Oui, j'attends. Calme-toi. Regardez comment c'est trop chou dans la rue. Il y a genre une mini bibliothèque et on peut y accéder pour tout le monde. Ça, c'est vraiment trop chou en Suisse. Là, on vient de changer de télécabine et il n'y a pas de distance de sécurité, c'est ça craint le bout de la Bah, on vient d'arriver en haut, regardez-moi comment c'est beau. Là il y a juste une piste directe, c'est trop chou. Des télécabines qui fonctionnent comparé à la France. Vraiment wonderful. Il y a la neige à donf. Maintenant on essaie de trouver pour aller au glacier. Et je vous avoue que je commence à avoir de la pluie. Mon Dieu. Je sais pas ce qu'on fait là. Regardez comment c'est beau, franchement, incroyable, it's wonderful. Là, du coup on se dirige vers les télécabines. Du coup Kenza, qu'est-ce qu'on doit faire? On va monter sans marche. On va monter sans marche, oh my god, I'm not ready for that. En gros de ce côté c'est le pont. Sur le glacier. Là? Là-bas, si on descend, on va marcher sur le glacier. Ah, c'est cool! Bon, du coup, je suis épuisé. On arrive bientôt, c'est là-bas qu'on va. Yay! C'est trop beau. Je vais me plaindre parce que c'est magnifique. Donc, merci Kenza de m'avoir amené là. Mais waouh! C'est trop sportif pour moi. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Donc on vient d'arriver au pont, c'est ça. Et regardez-moi la vue. Elle est magnifique. Regarde, quand il fait beau, c'est plus joli. Regarde d'abord comme ça. Et regardez-moi l'état avec mes lunettes. On adore. Hello! Bon bah ça y est, on est arrivé au glacier 3000. Il y a le petit drapeau de la Suisse juste là. Regardez-moi la vue. Yay! Regardez-moi la vue. C'est vraiment trop beau. Incroyable. Venez visiter la Suisse. La Suisse, c'est le comment elle fait son placement de produit? Beau pays du monde. Non mais j'avoue, regardez. Ok, en Europe, j'abuse un peu du monde. J'avoue, il n'y a vraiment pas à dire. C'est très beau. Même par ici. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You and I. Mon vlog, ça va être le mot trop chaud.
apporter à manger comme ça on va manger au bord de la montagne. Comment? Non, je l'ai pas perdu. Bon, du coup là on a fait toute la redescente mais on s'endorme comme des grosses mètres donc il n'y a pas de scène, de séquence donc On a fait un petit stop chez Anne, la copine de Kenza à côté de Lausanne à Bebe et elle est en train de nous préparer une fondue et là c'est le moment que tout le monde aime, c'est La mise cuve. 19. Et là, c'est préparation des petits bouts de pain. Yeah. Et voilà, nous sommes le dernier jour de mon périple et de mon aventure en Suisse. C'est la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé ce vlog. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accueilli en Suisse, donc Kenza de m'avoir aidé à préparer la surprise pour Yolanda, Roman, Delphine et tous les gens que j'ai pu croiser. Merci beaucoup à vous. Vraiment les Suisses, vous êtes super accueillants et franchement ne changez pas parce que ça comparé à la France, on ne pourra jamais vous l'enlever. Vous avez un cœur énorme et c'est vraiment waouh. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Tous mes réseaux sociaux seront dans la barre d'infos donc je vous laisse aller si vous voulez voir me voir dans la vie de tous les jours. Je poste énormément de stories sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Ciao ciao.